Assalamu alaikum, comment allez-vous? Ça va? Bien, tranquille, hein, pépère, ma mère. Donc voilà, je reviens vers vous pour faire les trois sauces que j'ai fait pour les panini. Donc, ça c'est la sauce de base. Hein. Donc dans cette première partie, on va mettre de la mayonnaise, 3 cuillères, je pense, ou 4. Un sachet de poudre de concombre. Il y en a plusieurs qui connaissent. Bon, c'est en Allemagne, donc voilà. 2 cornichons. On peut même rajouter un troisième si on veut. Et les 200 grammes de crème fraîche. Voilà. Allez, on est un petit peu généreuse. C'est bon quand c'est gras, donc voilà, désolé pour ceux qui font le régime, mais bon, faut manger. Donc ensuite, je mets 2 cuillères à café de vinaigre, 1 cuillère à café de sel, pas trop pleine, il me semble que c'est une ou deux, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et du poivre, et je mixe le tout bien comme il faut. Tenez pas compte des baguettes que j'ai fait derrière. Je voulais faire des paninis, mais comme je vous avais dit, c'était trop croustillant. C'était pas des paninis, donc c'était casse-dents. Donc voilà quoi. Donc j'ai versé une première partie qui vient de passer. J'ai gardé le reste. Et dans la deuxième sauce, je rajoute 2 œufs et la moitié d'un concombre. On peut mettre tout le concombre. Hein. Pardon. La moitié d'un poivron. Il faut s'écouter parler hein, de temps en temps. Donc voilà. Ensuite, on peut mettre les trois multicolores et pas de souci. Et je rajoute du piment de Cayenne dedans, dans cette même sauce. Et je mixe. Voilà, ça nous donne une deuxième sauce. Je verse dans le deuxième bol. Et puis je fais la troisième. Je rajoute du piment de Cayenne, du ketchup. Voilà, on y va généreusement. Allez, hop. Et puis, on mixe le tout et le tout est joué. Ça nous donne 3 sauces à utiliser vraiment comme pour vos sandwichs, les salades, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Et je la verse dans le troisième truc, dans le troisième bol. Donc, bah, voilà, écoutez, bah, c'est tout. Hein, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Ben, merci pour vos vues et puis à très bientôt hein, pour de nouvelles recettes avec Chiwood Zimladi. Partagez la kiss. Salam alaikum.